Aujourd'hui, c'est une grande joie au lycée Charles Foyer parce que nous fêtons en différé la fête de Noël qui devait avoir lieu le 21 pour les enfants de tout le complexe. L'établissement a l'habitude de célébrer la fête de Noël pendant le temps de l'Avent. Mais cette année, la date à laquelle ils avaient prévu la fête a coïncidé avec le décès de l'abbé Boniface Balma. Le lycée s'est mobilisé pour prier pour l'abbé Boniface Balma et lui rendre ses hommages, ses derniers hommages. Nous saisissons cette occasion pour lui dire merci. Nous avons aussi profité pour rendre grâce au Seigneur pour les 50 ans de l'enseignement catholique secondaire qui a eu lieu au mois de décembre. Une délégation a été, mais la plupart des élèves sont restés. Donc nous avons voulu aujourd'hui que tous les élèves en profitent. Aujourd'hui, nous avons célébré Noël avec les élèves, les professeurs, les parents d'élèves. Et le Seigneur nous a donné le message de la paix. Il nous donne son Fils, le roi de la paix, pour qu'il naisse dans nos cœurs, dans nos établissements, dans nos familles, et qu'il fasse naître la paix, car il est le roi de la paix. Nous souhaitons plus particulièrement la paix pour notre cher pays, le Burkina Faso. Que le Seigneur lui-même nous donne la paix venant de lui. Nous souhaitons la cohésion sociale entre les différentes parties, entre les différentes religions. Qu'il y ait une vraie réconciliation entre nous, Burkinabés, et les différents peuples. Nous souhaitons le meilleur à chacun. Merci. Je voudrais aussi souhaiter véritablement la paix au Burkina Faso, dans les familles. Je voudrais aussi demander aux élèves de respecter leurs parents, les professeurs, et de se mettre au sérieux dans leur travail pour réussir, car nous sommes les enfants de demain. À tous ceux qui nous suivront à travers YouTube, je souhaite une année de paix, une année de justice. Justice dans le sens que chacun travaille dans son cœur pour être juste. Chacun se concentre sur soi-même pour être droit, pour être un homme de paix. Et le reste va suivre. Ne crions pas sur les autres, justice, paix. Travaillons d'abord à nous-mêmes et Dieu nous donnera la justice. Que le Seigneur apporte la paix au Burkina. La paix à nos cœurs, la paix à toutes nos familles.